Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Nous rencontrons une association aujourd'hui, Pilat-sur-Seine, et cette association qui a été créée lors des événements du 4 mars, où il y a eu plusieurs morts des enfants de Pilat. Alors, depuis, ils ont organisé plusieurs événements en vue de soutenir les enfants de Pilat. Aujourd'hui, ils organisent un barbecue géant pour venir en aide aux enfants de Pilat. Pilat-sur-Seine, c'est les enfants de Pilat à Paris. Donc, nous allons les rencontrer. Bonjour Président. Bonjour Vanessa. Alors, nous sommes aujourd'hui au barbecue organisé par l'association Pilat-sur-Seine. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi Pilat-sur-Seine. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de l'association? Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Pilat-sur-Seine, au fait, est une association qui a été créée en 2012. L'idée même de la création de l'association, c'était l'explosion qui avait eu lieu en Pilat sur le dépôt de munitions. Donc, suite à cette catastrophe en Pilat, on a eu donc un élan de solidarité qui est donc parti de Dijon, Amiens, Paris, Lille. Alors, on s'est réunis à la gare du Nord, chez Moutouka, qu'on a eu l'idée au fait de monter une sorte de collectif au fait pour essayer d'assister. De soutenir moralement et financièrement nos frères, nos parents, nos sœurs qui étaient donc à Brazzaville. Donc il y a eu ce premier épisode. Après ça, il y a eu encore un autre épisode qui a dit, bon écoute, on a assisté ceux de Brazzaville, pourquoi pas essayer de monter une structure ici en Ile-de-France pour se soutenir quand l'autre a un problème, que ce soit un problème de matanga, quand il a par exemple se marie, voilà, assister, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur. Voilà, donc faites ça, c'est donc le, je dirais, deuxième épisode de Pilat-sur-Seine. Donc on a baptisé donc suite à ce changement-là de, je dirais, d'activité, de mission, on a changé le nom collectif en association Pilat-sur-Seine. Voilà. Maintenant, en termes de mission, donc les missions, comme je te l'ai dit, donc il y a soutenir les membres de Pilat-sur-Seine en cas de problème. Alors, il y a également comme mission, c'est d'unir en fait, unir la diaspora de Pilat à l'étranger, hein, que ce soit en Angleterre, on a également ceux de l'Angleterre, on a également ceux qui sont en Suisse, voilà. Donc on veut unir, rassembler tous les natifs de Pilat en Europe, voilà. Donc ça c'est vraiment une des missions de Pilat-sur-Seine, voilà. Et après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que là c'est ce que Pilat-sur-Seine est, il y a aussi ce que Pilat-sur-Seine n'est pas. On n'est pas du tout un mouvement politique, on ne fait pas de la politique, on ne fait pas également de la religion, donc on est apolitique, on est également, nous sommes une association laïque. Voilà. Et donc Bertrand, aujourd'hui nous sommes au barbecue, hein, géant organisé. C'est à quelle occasion? Est-ce que c'est tous les enfants de Pilat qui sont invités ou c'est seulement les enfants de Pilat ou c'est tous les Congolais? Non, c'est tous les Congolais. À la base, c'est les natifs de Pilat, créés par des natifs de Pilat, les enfants de Pilat en Europe.
Mais normalement, Pilas sur Seine, c'est une association qui est ouverte à tous. Voilà quoi. Donc, il y a des fiches d'adhésion. On est ouvert à tous, quoi. On est apolitique et non religieux aussi. Et, donc, on est là et on représente notre quartier, quoi. On veut éclairer notre quartier à travers des actions et à travers pas mal de choses, quoi, qu'on pourra faire avancer en France, tout ça. Voilà. Okay. Patrick, comment ça se fait si aujourd'hui on veut adhérer à l'association Pila? Est-ce qu'il faut qu'on soit simplement natif de Pila ou on peut être sympathisant? Non, mais bonjour, bonjour. Très belle question. Qui n'est pas assez compliqué. Hein. Donc, pour dire, comme l'a dit tantôt le président et le vice-président, l'association est ouverte à tout le monde. Donc, toute personne de bonne foi qui adhère à nos idées, à nos idéaux, de venir, de se joindre à nous aussi facilement possible. Nous remplissons des fiches d'adhésion avec une cotisation forfaitaire qui est exigée dans nos statuts. Et puis voilà, respecter les engagements, les réunions et autres. Voilà. Bonjour, oui, ça arrive de temps en temps, mais là on a essayé de faire une action à Brazzaville, mais sauf que bon, il y a eu des petites choses qui n'ont pas assez marché, mais on envisage de faire beaucoup de choses encore. On est encore au début et je pense que d'ici, je ne donne pas la date exacte, mais je pense qu'on va s'asseoir pour en parler. Je pense. Je pourrais ajouter quelque chose. En fait, je profite de cette occasion pour lancer un appel à aux financiers, ceux qui ont les moyens au niveau de Brazzaville, parce qu'il nous se pose un problème de logistique. C'est-à-dire nous regroupons avec tous les petits moyens que nous avons à notre niveau de s'organiser. Mais sauf que au niveau de la logistique jusqu'au niveau de Brazzaville, on est confronté à ce dilemme. Donc nous lançons un appel, à ceux qui ont les moyens, s'ils peuvent nous aider hein, dans ce sens-là, pour pouvoir acheminer tout ce que nous avons ici, tout ce que nous avons regroupé et réuni au niveau de Brazzaville. Quoi. Donc que pas seulement Brazzaville, mais bon, je généralise. Hein. On a dit Mpila, oui, mais bon, dans l'ensemble. Voilà. Et donc du coup, les appels, c'est juste financièrement ou il y a aussi des dents Ben, c'est ça ce qu'on avait prévu de le faire. Là, on a essayé de faire... Parce qu'il y a eu... Là, il y a des compétitions qui se passent à Brazzaville. Normalement, c'est Dumpila. Donc, normalement, on devait envoyer certaines choses. Mais avec... c'était le foot, en fait. Après, les moyens, logistique, tout ça, machin. Mais nous, on a eu un petit souci. Quand je peux m'expliquer, ça arrive. Et puis, voilà. Je pense que la prochaine fois, on va essayer de faire notre mieux pour être un peu en temps et en heure. Je pense que... Et donc, vous appelez aussi les Congolais de la diaspora à se joindre à Pila sur scène? Ben, c'est pour tout le monde, en fait. Au début, c'était pour nous. Ben, on a remarqué que tellement que ça marche bien, que tout le monde commence un peu à arriver. Donc, on est là, on attend tout le monde, les bases ouvertes, sauf participer à nos idées. C'est tout. Donc, et est-ce qu'il y a une charte précise? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, quelque chose qu'on ne doit pas faire? Moi, je pense qu'en tant qu'association, c'est-à-dire ce que nous attendons de nos adhérents, c'est-à-dire respecter à nos idéaux. L'idéal c'est quoi? C'est-à-dire l'association a été créée, c'est-à-dire dans l'objectif d'assister d'abord ceux qui sont à Brazza parce que ça part de cette idée, donc là. Et pour nous qui sommes ici, on se doit mutuellement de se soutenir. Et donc en tant qu'association, tout ce qu'on peut demander aux gens, c'est d'accepter les idéaux et de participer, c'est-à-dire en tant que... actif, quand je dis actif, c'est-à-dire de soutenir les idées que nous projetons, et puis voilà quoi, c'est un peu ça. En tout cas, merci. Joindre l'utile à l'agréable, en complétant la question que vous m'avez posée, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que seulement les natifs de Mpila. Hein. Oui. Hein, il y a Poto qui est là, il y a Wendé, nous avons Talangaï, nous avons un peu tout le monde. Aussi qui voilà, se sont rejoints à nous. Pour vous dire que bon, Mpila reste ouvert, hein, comme toujours, accueillant, un quartier aimable, un quartier magnifique, un quartier. Ça devient un cercle de retrouvailles de la diaspora où on peut se soutenir mutuellement pour des causes comme les mariages, les deuils et aussi en temps d'été. De se retrouver de temps en temps, partager certaines expériences, que ce soit dans le plan professionnel, des formations et tout. Donc ça va être vraiment un cercle qu'on doit faire développer. C'est plus un truc sectoriel des enfants de Mpila, non. C'est maintenant pour les Congolais. C'est donc aussi pour culturer, on doit se dire que c'est dans ce genre d'activité, c'est-à-dire que nous récoltons un peu de quelque chose, c'est-à-dire qui nous permet, sinon qui va nous permettre
demain de pouvoir agir, c'est-à-dire dans nos objectifs, en fait. C'est un peu ça. Donc, on a créé cette activité dans le but de pouvoir avoir un petit quelque chose et que demain, on puisse réagir, faire face à nos ambitions. Donc, voilà. Donc, à tous, c'est-à-dire qui voudront bien venir nous rejoindre, c'est-à-dire dans cette aventure qui est celle d'aider ceux qui sont en difficulté et qui est celle de nous assister mutuellement. Voilà, ils seront les bienvenus. Et puis il est ouvert à tous, donc voilà quoi, c'est un peu ça. Merci. Donc aux frères et sœurs qui sont de Pilat à Brazzaville, il y a un Pilat sur Seine qui est là pour vous. Donc vous pouvez compter sur eux, hein, ils sont valables. En tout cas, merci à vous. Hein, merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de nous rejoindre de plus en plus sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube. Merci de nous suivre sur Télé Congo. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas que tu es Matondo, mi sa kun zambi na hemyo.